Kiswahili nasema muhindi moya ni laki mbili. Ni vile laki mbili. Bon. Wandugu surtout watoto mufurahi sana kufika Nyangezi. Kama napenda kusoma historia ya Nyangezi, ufungule kitabu kimoja Monseigneur Rulens Notre Vieux Congo. Mais n'oubliez pas que Nyangezi signifie le propriétaire du sel. Et que le marais que vous avez vu là, c'est à la fois sel et pétrole. Sel et pétrole. Wakati mutaendelea sana, ma camion citerne a été indakatena, ngambo ya Mambasa. Vous allez exploiter le pétrole, vous allez exploiter le sol. Kama muko verevu mungusa muko munaenda ngambo ya Katana, mutakuta mzungu moja wa Bukavu amenunua mare. Mare. Na anaifunga funga hivi, lazima atafanya kazi moya kutengeneza masashi. Vous ne savez pas qu'il a acheté du pétrole. Vous ne savez pas ça. Kwa sababu munalala. Oh le wenu, vijana munalala. Musisikie mubaya kama kuko Nyangezi hapa na Nyangezi kule ngambo. Kwa sababu Nyangezi, maana yake propriétaire wa chumvi. Nya, celui qui possède Ngezi. Chumvi. Sasa tulipita pale, mumeona mimea zimoja, tingi tingi. Wazazi wetu wanatumia ile mimea, wanaiita mkiswahili, lushashu. Kwa kutengeneza chumvi mzuri sana, yenye nyie mnaita chumvi mwenga. Leo, mlisha ipirate, panauzisha uzisha n'importe kwa, panasema ni chumvi mwenga. Mie nitaweza kuwambia tushangilie kwanza ile plante mwa yenye wanaita lushashi. Kwa sababu gani? Kwa sababu mkaji wa Nyangezi, siwezi kumchamba lakini mwache ni mchambe kidogo. Mungu akamupa Ngezi, le sel. E kama ndia Kiswahili, shukrani ya punda ni teke. Mtu wa Nyangezi kaona sel haina maana, tafadhali ile sel aigeuze matofali. Ebriki. Siju. Chef Nyangezi iko pale, ni baba yangu. Kwa sababu sisi, sawa hivi mnatuona kupodio. Tuko ba descendant wa mami Chiraongerwa wa Ngoshi. Son fils aîné, Njo Nyangezi. Wapili ni Chierano. Watatu ni Masonga. Njo Masonga mwenye kutuzara. Niko na mtoto moja jina yake Chira Masonga. Moise. Huyu mwenye kuwa hapa pembeni yangu, ama Droit comme dit le psaume. Naye ni descendant wa Chiraongerwa. Bo Ruhoya. Ule Ruhoya naye ni descendant wa Chiraongerwa. No, donc tuko hapa, si tutaweza sema tuko nyumbani. Ndio maana tutaweza jichamba kufanya autocritique. Hapo kwetu sasa alisema ni mji wa Nyangezi. Nadhani alifafanua mzuri sana maana fasi ya chumvi. Chumvi inaleta guu kwa kila kitu. Kwenye kuikula tena tu, sisi tulishaifunguza vinawaza. Donc chumvi ni kitu inaleta guu. Ni kusema Nyangezi ni fasi ya maana pia. Kwenye kuko chumvi kuko attraction. Kwenye kuko chumvi manake maisha iko. Ni fasi kuna maisha pia. Ndio kusema tunawakaribisha hapa kwetu Nyangezi. Mi binafsi nafurahi sana. Kwa mara mingi ninaona kwa marezo sosio kikao sawa na hiki. Dika kwa jamii kwa nia ya kuadibisha. Naandika kwa mapendo na busara, uzuri wa sifa pia zake hasara. Leo naandika kesho, kesho nitaandika jana,
kwa lugha watakayoelewa vema wazee na vijana. Entre la poésie et l'art de la punchline, j'en sers mes serres et je me sers à volonté. Entre la poésie et l'art de la punchline, je ne choisis pas de style, mais j'offre un loisir à mon stylo. Je n'ai pas choisi de public pour ce texte, ni pour ceux d'avant. J'écrivais juste pour les temples, les mosquées, autant que les couvents. Je n'écrivais pas pour la patrie, ni pour le bon citoyen, mais pour l'enfant du monde, descendant d'Abel ou de Caïn. Je n'écris pas seulement pour le berceau de l'humanité, mais j'ai toujours écrit au service des l'homo sapiens, pour le bienheureux, ceux qui vivent en toute précarité, pour le plus friquet, mais surtout l'homme sans pièces. J'écris pour les intellectuels et pour les illettrés, j'écris pour le va-nu-pied, pour les bien futés, j'écris pour remettre sur le rail et pour dresser des aplombs. J'écrirai même en braille, ce ne sera pas juste pour des aplombs. J'écris sur des écoles, sur les marchés, sur les places publiques, pour mes frères en tôle et tétraplégiques et vous tous qui marchez. Je n'écris pas pour moi et je n'ai pas des fan team. Sans blague, j'écris pour une dream team de mes semblables. J'écris pour ceux qui sont dans la merde et pour ceux qui nous font chier, pour le plus insensé des boss, mais surtout pour les plus nobles de l'ouvrier. Et quand j'écris à tout seigneur, tout honneur, ce n'est pas pour déshonorer les serviteurs souvent oubliés. Mais le pire, c'est que j'ai écrit un livre en entier sans jamais tourner la page. Merci. Importance pour la République démocratique du Congo d'occuper la place qu'elle mérite dans le corridor central. Le corridor central, c'est une organisation internationale qui regroupe la Tanzanie, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi et la République démocratique du Congo. Qu'on faisait et comment on faisait le fameux café. J'ai du café autour de moi et je dois avouer, j'étais un... Parce que vous avez oublié de lui rendre l'honneur auquel il a droit. Tira que vous voyez ici n'est pas une... On appelle caméra. C'est Banane, les meilleures caméras pour le moment dans la province. On les trouve dans les territoires de Calais et dans les territoires de Kabare, dans le seul village de Moudaka. Ça, c'est un peu notre faute. On nous a avertis, les scientifiques, agronomes, nous ont averti qu'il y avait une maladie contre les bananiers il y a bientôt une dizaine d'années. On nous a recommandé ce qu'il fallait faire pour éviter la maladie. Il n'y a que le territoire de Calais qui a appliqué. Et si vous allez à Calais aujourd'hui, vous verrez la différence entre un régime de bananes de Calais et un régime de bananes de Nyangezi. On a l'impression que les bananes de Nyangezi ne grandissent plus. Oui, ça a été attaqué par un virus. Nous avons fait venir de l'université de Leuven en Belgique des spécialistes qui sont venus nous expliquer ce que nous devions faire pour sauver les bananeraies. Nous avons reçu de la même université, grâce toujours à l'ITA, du docteur Sanginga, je précise, docteur en agronomie, pour lutter contre la maladie du manioc. Nous avons aujourd'hui à l'ITA des plantules de manioc. On ne plante plus les manioc avec les boutures. Maintenant, on plante les manioc comme on plante les petits arbres. Et ça, très souvent, les gens ne vont pas chercher à le calambo ce qui s'y passe. On imagine des choses alors que ce n'est que la science. Ce n'est que la science de tous les jours. Vous avez formé vos enfants. Ils ont, pour la plupart, été sélectionnés plus qu'agronomes. Mais on n'a pas l'impression que les gens savent que l'ITA existe. Ici, à Nyangezi, nous sommes en train d'essayer avec l'ITA la culture de riz. À moins de 1 km de nous ici, à vol d'oiseau, il y a l'expérience du riz. Nous sommes en train de commencer la pisciculture, puisque je suis gêné de voir à Bukavu des gens consommer du poisson qui vient de Chine, comme si nous on n'a pas de lac, il n'y a pas d'eau. Tout le monde peut faire une piscine dans son marais, et dans les montagnes il y a chaque fois un marais. Les programmes sont en cours.
il y a la FAO, soutenue par Picagel, l'ITA, soutenue également par Picagel. Picagel, c'est un programme qui existe, mais les gens ne s'y intéressent pas. Les financements sont là pour qu'on réapprenne à cultiver. Il y a beaucoup de projets. Vous voyez souvent les ONG, mais on a une idée des ONG, les gens qui sont dans les voitures tout terrain, mais ils sont dans le tout terrain pour travailler partout, sur tous les terrains. Ce n'est pas pour rouler dans les 4x4. Je vous dis, ici, à moins de 2 km d'ici, sur la route Ouvira, pour ceux qui ne savent pas, Ouvira, c'est sur ma gauche, Bukavu sur ma droite. J'entendais ma mère qui n'avait pas eu la chance d'étudier dire quand vous arrivez chez M. Maillé, faites attention. Alors j'ai pensé, nous pensions, que Maillé c'était un monsieur. Comme on disait, Emma Maillé, on finissait par croire que Maillé c'était un monsieur. Mais Maillé c'était la mission anti-érosive. Donc, Emma Maillé, ce n'était pas chez quelqu'un, mais c'était ici. Avant de commencer les escarpements de Ngomo, il y avait des boisements. Et pour ceux qui ne le savent pas, si vous lisez la littérature coloniale, le centre d'apprentissage à la lutte anti-érosive du Rwanda, Urundi, comme on disait à l'époque, et du Kivu, le grand Kivu, se trouvait à Bukavu. Donc il n'y a pas de raison, quand vous allez au Rwanda ou au Burundi, vous trouvez encore des montagnes avec ce que les agronomes ou ceux qui font le développement rural à l'ISDR appellent des terrasses. Nous devrions tous faire des terrasses pour éviter que nos montagnes ne partent à chaque pluie par l'érosion due tout simplement à la pluie. Nous avons essayé de faire ça. Quand vous viendrez pour toute une journée, il faudra venir dans des tenues qui permettent de marcher longtemps. On fera le tour de montagne. Ici, pour trouver un terrain plat, il faut aller au terrain de football chez le frère Mariste, parce que tout le reste, c'est les collines qui nous entourent. Et donc, vous venez aujourd'hui, nous sommes en train de penser au reboisement. Et la FAO a pensé qu'il fallait passer par les autorités coutumières. C'est là l'avantage d'impliquer les chefs de groupement. Intéresser les mamans, nous sommes dans le mois de la femme, pour ceux qui l'auraient oublié. Le mois de la femme, ce n'est pas seulement le mois où on met les pagnes le 8 mars. C'est le mois où on reconnaît la valeur de nos mamans. Et la parité ne doit pas rester un slogan. Et donc, je disais tout ça, c'est pour qu'on prenne conscience que le chemin est long. Et le professeur Tira a eu raison de penser au feu. On est autour du feu et je profite de l'occasion. Vous voyez la table qu'il y a ici et le tabouret qu'il y a. Ça a été fait par les femmes de Bukavu. Il s'agit des vieux pneus. Au lieu de les jeter comme vous le faites, on les transforme en ouvrage d'art utilisable comme table. C'était un pneu usé ici, auquel des mamans à Bukavu, des mamans qui travaillent avec une dame que vous devez connaître, Madame Kadi Kaasha, originaire d'un village pas loin d'ici, Momosho, à une dizaine de kilomètres seulement d'ici. Nous avions acheté ça à l'époque pour encourager les mamans qui nous faisaient des recyclages de pneus. Au lieu d'utiliser les pneus en les brûlant quand on manifeste dans les rues de Bukavu. Quand on tue quelqu'un,
ou bien 40 quelqu'un. Il vaut mieux les utiliser comme table. C'est une table faite par nos mamans. Et les tabourets adaptés, je vois qu'il y a lui qui est sur... Vous pouvez montrer, hein, parce que parfois... Ouais. C'est vraiment confortable, non? Vous voyez, encore une fois, nous n'avons pas encore la culture du recyclage. Minzi, moi, je suis venu à l'ingile. Je suis venu à l'ingile. Voilà, moi, je suis venu à 500 francs seulement. Il descend. Et n'a pas n'ingapi. Comme on le fait chez Papa Tira habituellement. En Occident, en Afrique, mais qui très souvent ont tout oublié au village. Il faut que de temps en temps, et il y a des grands noms, je ne les citerai pas ici. Moi, j'ai appelé certains pour dire, je suis chez vous, je ne vois rien. Il faut éviter ce genre de remarques. Je répète, nous sommes probablement le seul pays où on ne s'intéresse pas à ce qui se passe chez soi au village. Je suis revenu ici, comme je vous disais, j'ai eu la chance, il faut avoir la chance, de trouver quelqu'un qui me donnait du travail. Et j'ai... La maison paternelle, c'est pas ici, c'est à 3 km seulement d'ici. Mais je me suis dit, j'ai fait ça chez moi. Comme nous sommes le premier producteur, le meilleur producteur de café du monde pour le moment, la province du Sud Kivu, territoire de Calais, je me suis dit pourquoi on ne ferait pas le même café partout dans toute la province pour que nous gardions ce maillot jaune de meilleur café du monde qu'on vend à travers le monde entier. Ce qui a été très motivé par nous pour aider l'école où nous avons eu la chance d'étudier, avoir le premier laboratoire d'agronomie avec contact sur le monde extérieur par vidéoconférence. Depuis le Covid, la vidéoconférence est à la mode, mais nous avons, grâce à Sanginga, installé la vidéoconférence déjà au laboratoire d'agronomie chez les frères Maristes à 3 km d'ici, par la route et à moins d'un kilomètre à vol d'oiseau. Donc, vous avez compris, cet enfant-là, chaque fois que j'arrive ici, il se colle à moi. Son papa nous aide à réparer la route quand on a Emmanuel, mais sa maman nous a fui, nous la cherchons. Alors chaque fois que je viens, il vient et il se fait le plaisir de dormir avec moi. Bon, voilà. Pour revenir à ici, le week-end, on rentre chez soi au village. Ça nous permettrait de réclamer à l'État de nous libérer vendredi à partir de midi à la paroisse, la deuxième année jusqu'en cinquième au collège Notre-Dame de la Victoire, qui est devenu le collège Al-Fadjiri. Je suis revenu terminer l'école primaire en 67 à Nyangezi, puisqu'il y avait eu la guerre d'Escram, et que les mercenaires avaient occupé les bâtiments du collège, ce qui ne permettait pas la reprise directe des cours. C'est comme ça que je suis revenu sur Nyangezi, chez les frères Maristes, où j'ai terminé l'école secondaire. C'est comme ça que si vous allez dans les groupes, vous qui aimez les réseaux sociaux, vous me trouverez dans le groupe de Stella Duce, qui est le groupe des anciens du collège Notre-Dame de la Victoire, mais également dans le groupe des anciens de l'école des frères Maristes. C'est comme ça que j'ai pu expliquer à nos villageois qu'est-ce qu'il y a de si attirant en ville qui ferait que il faudrait qu'on réapprenne ce qui redonnerait la valeur à nos villages respectifs. Vous avez des enfants de Kabare, de Walungu, de Fizi.
l'école secondaire, j'ai fait ma licence à l'université de Kinshasa. 5 ans après, j'étais en Belgique où je suis resté 23 ans. J'ai levé l'option de revenir au Congo grâce aux amis officiels belges, mais surtout officiels congolais. J'ai eu la chance, le président Kabila m'a ramené au pays, mais j'avais convenu avec lui que je rentrais à Kinshasa, pas pour rester à Kinshasa, parce que je voudrais terminer mes jours au village, le village qui m'a vu naître. Je ne suis pas né à l'hôpital. Je suis né chez nous à la maison, puisque les parents habitaient le camp moniteur derrière l'école des frères maristes. Je ne suis pas de ceux qui ont connu la beauté de l'hôpital, non. Maman a accouché à la maison et j'étais le premier garçon d'une famille de 11. Donc j'ai élevé l'option de revenir et je voudrais voir les gens rentrer tous chez eux. Pas pour aller vivre, mais ne pas couper le cordon ombilical avec le village. Le dernier voyage avant de venir ici, j'étais dans la province de Lomami. La preuve, c'est qu'on parle en français. J'ai eu la chance d'étudier. Nous devons nous faire les deux. On a eu la chance d'étudier. Moi, j'ai fait mon école primaire à un ancien district de la province du Kassai oriental, mais quand on a découpé, ils se sont retrouvés nouvelle province. Et j'ai fait la remarque déjà à l'époque. Il y a quelqu'un qui se rappelle de quoi on avait parlé la semaine dernière? C'est d'applaudir pour vous-même, s'il vous plaît. Autour du feu, nous écoutons les notables de la ville de Bukavu, dirigée par les Congolais, et qui essaye d'innover dans le secteur. Autour du feu, 5e édition, je pense, épisode 5. Il y a 3 semaines, nous parlons de la ville de Bukavu. Mais cette activité est née autour de Papa Tchira, que je vais également demander d'applaudir, s'il vous plaît. Il a été le premier notable à nous accueillir chez lui. Papa Marcelin Tshishambo est le deuxième notable à nous accueillir chez lui. Merci d'applaudir pour lui, s'il vous plaît. De la ville de Bukavu, j'espère que vous étiez au camp prof ISP, chez Papa Tchira. La ville de Bukavu, mais de la toponymie et de l'odonymie, c'est le centre culturel Kwetu, espace culturel Kwetu Art, ECA. Normalement, le micro est à vous. Vous allez nous parler pendant peut-être 15 ou 20 minutes. Et juste après, on va partager. Donc, on a Oulisa. On m'a dit que... Je vais lui laisser parler. Je pense que c'est assez facile. Nous allons prendre une règle. Au moins, on va savoir quand est-ce qu'on va finir. Pour que tu aies un qui se rappelle des lots de, du sujet qu'on a discuté la semaine dernière. Papa Tchira avait dit. Je ne vais pas rentrer dans les détails des notions qu'on a... C'est fait donc après Mubembe, puisque personne ne connaissait son papa. Et M. Mubembe, puisqu'il est devenu Mubembe, puisqu'on ne savait pas d'où il venait de Tanzanie. À l'époque, on disait Tanganyika. Mais c'était un Malawite que le missionnaire qui est venu la première fois ici a amené avec lui, puisque probablement il partageait déjà la même langue qui était le Swahili. Et c'est avec Mubembe qu'ils ont tout commencé ici. C'est comme ça que nous avons eu la première école ici. Derrière toujours la même montagne, c'était des pères blancs remplacés par les frères maristes. Et les pères blancs ont quitté Kadere. Kadere, c'est derrière la montagne, la colline du sanctuaire. Vous reviendrez une autre fois pour voir ça. Puisque Nyangezi, c'est une école qui a formé beaucoup de personnes. C'était la première école
Après Nyangezi, on a déplacé l'école vers Mugeri. C'est comme ça qu'on a eu les deux écoles. Et c'est de là qu'est venue la phrase célèbre au moyen de Grahopa, puisqu'il y avait l'école normale moyenne. Et le moyenne qui ne hopait pas. Ça a été un cri de guerre de tous ceux qui avaient étudié à Nyangezi. Et il y en a encore beaucoup, heureusement d'ailleurs, qui sont vivants à Bukavu. Et vous entendrez très souvent dire moyenne, moyenne, moyenne. C'est essentiellement les gens qui avaient étudié chez les frères Maristes ici. Et nous avons eu des gens célèbres. Célèbres. Beaucoup de Bami ont étudié ici. Le Mwami Ndatabaye, le Mwami Ntambuka, le Mwami Kabare, même le Mwami Kigeri V, le dernier Mwami du Rwanda, a étudié ici chez les frères Maristes. Et il a eu mon père comme enseignant. Le même papa a donné cours à Ndatabaye aussi. Je n'ai jamais demandé à Ndatabaye s'il était gentil ou pas, mais ce que j'ai retenu de lui, c'est qu'il était sévère. Et donc j'imagine que les Bami qui ont eu la chance ou la malchance, c'est selon, d'avoir papa comme enseignant, se sont fait corriger, puisque la gifle partait très facilement à l'époque. On ne parlait pas de violence faite aux enfants quand on giflait un enfant à l'école. Aujourd'hui, on ne peut plus le faire, ça peut mal se terminer. C'est donc ça, Nyangezi. Et ceux qui ont soif, je sais que vous êtes comme moi, mais ce n'est pas un problème. Voilà. Mon appena tumalize sangapi exactement. Voilà, autour du feu dure une papa qui chambou chez lui à la maison. Une étude des noms des rues ou des places. La troisième partie de la ville de Bukavu, mais on va parler des. Non, j'ai pas entendu tout le monde. Ah, Singe. Ici, on dit Asingé pour dire bonjour. Hein? Oui. Voilà. Et si je parle en français seulement, il y en a qui risquent de comprendre comme cet enfant ici. Mais vous avez l'avantage d'être dans le village qui a accueilli le premier missionnaire. En 1906, le premier blanc qui est arrivé ici, et il est enterré là. La montagne que vous voyez là derrière vous, ça s'est longtemps appelé calvaire, puisqu'on faisait la semaine sainte, on faisait le tour du calvaire pour le chemin de la croix, mais sous le régime du président Mobutu, l'authenticité a fait partie de tout ça. Et ça s'est transformé en sanctuaire marial. C'est ce qu'on appelle le sanctuaire marial de Nyangezi. C'est la montagne que vous voyez là derrière vous. Et l'archidiocèse de Bukavu est en train de penser construire. Et ils ont déjà commencé des lieux d'hébergement pour ceux qui prient beaucoup, qui voudraient venir se recueillir pendant un certain temps là-bas. Et donc, je disais, c'est par ici que les missionnaires sont entrés. Et ils sont venus avec un monsieur qu'on ne connaissait pas du tout. Parce que chez les Bashi, on demande toujours, c'est le fils de qui ? Moine Nduyo. Et comme personne ne savait dire c'était le fils de qui, ça s'est traduit par Mubembe Oyo. Ça signifie quand c'est très loin, c'est dans le Bubembe. Donc après Kamanyola, Luvungi, Sange, Uvira, vous allez dans le Bubembe. Comme à l'époque, il n'y avait pas les mêmes moyens de communication qu'aujourd'hui, tout ce qui venait de très loin, ça s'appelait Bubembe. Vous avez voulu qu'on parle de Nyangezi aujourd'hui, mais pas Nyangezi seulement. Moi, j'ai accepté un appel au retour dans nos villages.
Je ne demande pas aux gens de venir vivre dans leur village, mais je demande, je recommande aux gens de se donner le devoir d'aller au minimum une fois par trimestre dans leur village. Hier, aujourd'hui, nous sommes venus écouter. Au 22. Manaki tout à tout à 17h30. Papa tira c'est 18h. Tout en dans votre iPad, sur Google, vous tapez Nyangezi, vous verrez deux Nyangezi apparaître. Il y a un Nyangezi où nous sommes aujourd'hui, mais il y a un Nyangezi de l'autre côté de la Rusizi. C'est comme ça que vous trouverez des Nyangezi d'ici, mais également des Nyangezi du Rwanda. Et donc, de part et d'autre, on a partagé les noms énormément. Tout simplement puisque le seul obstacle qu'il y avait, c'était la rivière de la Rusizi. Et pendant la saison sèche, on la traverse sans problème. On n'a pas besoin de nager, on n'a même pas besoin de pirogue pour passer de l'autre côté de la rive. Et c'est parmi les choses qui nous poursuivent jusqu'ici. Histoire à raconter, tout à coup, tu n'as pas ta wakati à kwenda kwenye hiko parce que nous sommes rendus compte qu'on nous apprend l'histoire qui n'est pas la nôtre. Il faut aller par devant les nôtres pour apprendre notre histoire. Donc ma question est celle-ci, Mzee. Je vais juste poser la question qui va peut-être lancer les débats. Aujourd'hui, nous parlons de Bukavu, l'histoire des évolués. Vous êtes le fils d'un évolué, en tout cas d'un des premiers intellectuels de chez nous. Comment avez-vous vécu cela? Voilà. Oui, merci. Première précision, je suis gêné quand vous dites Bamouchi. Non, ça fait un peu mouche, moustique. Non, non. Bashi. Hein? Aba Bamouchi. Aba Bashi. Ne soyez pas gêné. Biblia que soit il n'indique pas Bamouchi. Il est indiqué à la moutou mené. Ouedo linguiste. Il est biblien. Un mouchi de bâche. Il est biblien. Un mouchi de bamouchi. Il est biblien. Je n'ai pas de valeur. Nombre, chapitre 26, verset 57, 60. Il n'a taille. Batu bénie, badi kimbia. Ma descendant, si lui, comment va n'en ni? N'a c'est ma bamali, les maliens. Bamouchi, si. Nabarika na bikomo bibli. Na leo hii nilipata kitabu ya Padre Luca. Titre yake l'origine égyptienne de Bakongo. Et je dois dire à tous ces enfants qu'il existe un livre intitulé Où sont les blancs dans la Bible, que ce va au Ancien Testament, Nishie Barega, Bamouchi. Bamalien, Bamileke, etc. Donc, Bamouchi, tu es piqué, que vous avez toujours tout cousé, la manouille et tout. Ikikao nayo, kifika hapa kwetu, ni kikao ya mazungumzo, ni kikao ya masomo pia. Mambo mingi hatujue, tutaivumbula a partir ya kikao. Nazani excellence ali éveiller conscience et tout ku mambo ya mingi sana. Na mwenye alikuwa na masikio ya kusikia amesikia juu aligusa mambo mengi sana ya maisha. Aligusa mambo mengi sana ya development ya mugini yetu ya Nyangezi specifically. Alisema juu ya mabarabara, alisema juu ya upandaji miti, alisema juu ya mamaresa kisi tunasema. Nazani ali éveiller conscience et tout beaucoup plus. Na kwa gisa alipana exercice ya maulizo nizani ni kwa profondir ile veille ya conscience yenye alitombe. Sinon va faire. Parce que ce qui est arrivé au premier, c'est qu'il disait tout ce qu'il a fait comme bêtise pour se faire pardonner et être en mesure de communier le lendemain le dimanche. Oui, c'est quoi être l'enfant d'un évolué? Aux autres enfants. À l'époque, c'était autorisé. Ils pouvaient me prendre
Bon, je vous disais que ce n'est aucun moniteur à Moulende. Moulende, c'est le petit village derrière l'école des Frères Maristes. Mais papa a déplacé la famille de Moulende à Chibimbi. Où il a... Entendu. Il est griffé pas très loin du ventre. Il disait, Naknosar Aurayere Senyoko. Je vais te pincer une partie du corps que tu seras incapable de montrer à ta mère. Et il, ça, il devait être vicieux, c'est tout. Oui, oui, et il le faisait. J'espère qu'on aura le temps à la fin de l'activité d'expliquer le concept autour du feu, qui est un concept yenyeba tu amingi, biko bana sabu, nilio na mtu mwana sema bamushi, balinamuka, nashie, makabila ingine, tungianza fanya. C'est une activité inclusive que l'espace culturel a réfléchi et bientôt on ira à la messe. Celui qui oubliait ce qu'on a dit, il devait attendre, compter sur la bonne volonté de maman pour manger. Encore une fois, être l'enfant d'un enseignant, c'était être l'enfant modèle. J'ai eu le malheur ou la chance, selon encore une fois, la première primaire, j'ai eu un enseignant qui est mort, Marie Paul est mort l'année passée. Il avait officiellement plus de 90 ans. Mais consomme jamais ce qui est déjà tombé. Donc, la bouteille est déclassée. Il va changer de bouteille. Et donc, comme enfant enseignant de nouveau, il y a des choses qu'on ne pouvait pas faire, parce qu'on devait être le modèle. Je disais, j'étais en première primaire, mon instituteur s'appelait Paul Kalumuna, son village d'origine, c'est pas loin d'ici. Je ne peux pas le dire à maman, c'était gênant de dire à maman. Où est-ce que mon Paul t'a, hein, t'a griffé? Donc il touchait au petit lézard. Les élèves. Et que dès que vous commenciez l'école secondaire, on vous appelait étudiant. Alors, je ne voyais pas comment moi, puisque quand on a ouvert le petit séminaire, il n'avait pas d'eau potable. Et donc, il devait aller à la rivière, puiser de l'eau le matin, pour la réserve d'eau pour se laver et préparer à manger. Alors, moi, je ne me voyais pas. Je suis devenu étudiant, portais encore une casserole d'eau sur la tête, ou une dame Jeanne. Ça a été un élément important pour que je refuse, sans le dire évidemment aux parents. Quand on m'a dit non, tu vas faire le petit séminaire, j'ai dit non, moi je préfère être frère mariste. J'ai menti. Mais c'était pour ne pas porter devant les filles des gens qui sont de l'eau sur la tête, alors j'étais devenu étudiant. C'est comme ça que je suis passé à côté de la carrière. Peut-être que j'aurais été. Un évêque, on ne sait jamais, hein? Ou le premier pape noir. Encore une fois, Nyangezi, je terminerai par là. Je crois, parmi les rares de Nyangezi, à avoir rencontré trois papes. J'ai eu la chance, j'étais à Louvain, Louvain-la-Neuve en Belgique en 85, et le pape Jean-Paul II venait pour visiter l'université catholique de Louvain-la-Neuve. On nous avait demandé que la sortie du pape de l'église, ça soit la chorale zaïroise qui anime. Comme j'étais dirigeant de la chorale, ça m'a permis de diriger la chorale à la sortie du pape, ce qui m'a permis d'avoir la main du pape sur la tête et un petit signe de croix pour la bénédiction. Et donc quand vous me voyez danser, vous mettez dans le réseau, vous perdez votre temps. Puisque moi, j'étais en fou. Quand on m'a mis au collège, Maître Kachongwe, qui était de Nyangezi comme moi, grand frère au collège, m'a mis
chez les scouts. Et à l'époque, on devait danser le brakamchula qu'on appelait Jekoke. 7-7. Ouais, 7-7. Je n'ai jamais su c'était quoi Jekoke. Ce n'est que l'année passée, en 2020, que j'ai demandé à Mova, l'ancien ministre, toi qui es de Lubumbashi, c'est quoi Jekoke? Puisqu'on dansait des Jekoke. Sur la pointe des pieds. Oui, il fallait danser sur la pointe des pieds. J'essaie encore de le faire. Justement, une parenthèse, je suis à la recherche de quelqu'un qui peut apprendre à Bingo Malinda comment on danse les Jekoke. 7-7. Je vais chercher quelqu'un qui fait les Jekoke ici. Les Jekoke, ce n'est que l'année passée que Mova m'a dit, c'était la jeunesse de la commune de la Kenya, à Elisabethville. C'était ça, danser les Jekoke. En fait, la commune de la Kenya, c'était la commune populaire d'Elisabethville, Lubumbashi à l'époque. Jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour. Et donc, vous comprenez parfois, hein, non, pourquoi ils dansent beaucoup, oui. Je suis devenu chef de chorale, l'éducation catholique, papa, enseignant, devenu directeur. Et donc, j'ai commencé à diriger les chorales. Et nous sommes les premiers Africains à avoir créé une chorale africaine en Europe. C'était en novembre 79. On s'était retrouvés, des anciens de l'université de Kinshasa, qu'on appelait à l'époque campus de Kinshasa. Nous avions une amie qui avait perdu son papa. On a dit, et pourquoi on ne chanterait pas comme on fait à Kin? À ce moment-là, le cardinal Malula était le champion de l'africanisation de l'église. Et on chantait, on avait même le rite zaïrois qui n'était pas la même chose que ce qu'on fait aujourd'hui. À l'époque, la mine des Grands Lacs. Donc, quand les gens venaient de Kamituga, avant d'arriver sur Bukavu, ils faisaient une escale à Nyangezi, à Chibimbi, où il y avait la maison de Engel, mine des Grands Lacs, que les Bachidi appellent parfois Emigeri. Mais c'est Engel. Et nous avons eu une enfance, je ne dirais pas dure, mais la discipline existait. Et c'était plus difficile pour nous, enfants d'un enseignant, de faire n'importe quoi que les autres. On avait droit à une correction de tout le monde. Donc vous faites une bêtise sur la route, même quelqu'un qui ne vous connaît pas a le pouvoir de vous gifler. Quand en plus on sait que vous comme tout en Malimou, ça devient encore beaucoup plus grave, puisqu'on était censé donner l'exemple. Et alors la chicote était normale. Deuxièmement, tout en Malimou, ça signifiait qu'il fallait parler français. Et papa nous avait, je ne dirais pas construit, il nous avait acheté une armoire où il avait mis les livres et nous avions l'obligation de lire chaque soir. Ce qui fait que quand on devait manger, puisqu'on ne mangeait jamais après 20 heures, à table, il demandait qui a lu quelque chose. Et vous deviez dire ce que vous avez lu dans les livres qu'il avait achetés et qui était dans l'armoire qu'on appelait bibliothèque. Si par malheur, vous n'avez rien lu, on vous envoyait dormir directement sans manger. Mais on avait l'instinct maternel de maman qui gentiment trichait pour vous donner à manger en vous disant mais tu mangeais quand même. Et tu te réveillais le matin, donnant l'impression à papa que tu n'avais pas mangé, alors que maman avait fait le reste. C'est ça, être l'enfant d'un enseignant. Quand on allait à la messe, nous on préférait la messe qu'on appelait messe de 6 heures. Parce que c'était la première messe qui vous permettait après de jouer comme vous voulez.
Et comme nous étions les premiers voisins de la paroisse, aussi bizarre que ça ne paraisse, on arrivait souvent en retard à la messe puisqu'on avait l'impression que ce n'est pas loin et qu'on va quand même arriver à temps. Et les parents préféraient qu'on aille à la troisième messe, qui était une messe où on chantait en latin. Et vous aviez alors l'obligation, quand vous êtes l'élu de la famille ce jour-là, de porter le livre rouge-noir où il y avait toutes les chansons, toute la messe en latin. Et le soir, c'est ça le problème des enfants, des enseignants, le soir, avant de manger, le dimanche, on vous demandait qu'est-ce que le prêtre a dit, qu'est-ce qu'on a dit à l'évangile. Celui qui ne savait pas répéter ce qu'on a dit à l'évangile, il allait dormir directement sans manger.